Choc, Vanessa Lawrence n'est pas enceinte. C'est une nouvelle choc que vient de nous apprendre Public. En effet, Vanessa Lawrence, qui a annoncé sa première grossesse dans les pages du magazine People, aurait menti. Elle n'a apparemment jamais attendu d'enfant. Cette nouvelle va avoir de lourdes conséquences. Vanessa Lawrence a menti sur sa grossesse. Elle aurait inventé cette histoire pour pouvoir attirer l'attention sur elle et intégrer le casting de la saison 5 de La Maison du Bluff. Ainsi, toutes les interviews que Vanessa Lawrence et Julien Guerrado ont données à la presse en ce qui concerne l'arrivée de leur bébé, était basé sur une pure invention. Julien avait même déclaré qu'il se sentait prêt à accueillir ce petit être, mais qu'il n'était pas un pro au niveau de changement de couche. Il confiait sa joie et ses doutes. Tout était faux et archi-faux, la honte. Les vacances en République dominicaine pour fêter l'arrivée du bébé étaient aussi bidons que de mensonges. Vanessa Lawrence, elle, a eu un malaise sur le tournage de La Maison du Bluff 5 et a demandé à sortir pour pouvoir aller aux toilettes. Elle a posé la main sur son ventre et a fait comprendre à la production qu'elle était victime de nausées, un malaise qui aurait donc été simulé. Le magazine Public est sous le choc et a publié ce message. Nous travaillons depuis très longtemps avec Vanessa Lawrence et jusqu'ici, nous entretenions de très bons rapports de confiance avec elle. Voilà pourquoi nous n'avons pas jugé bon d'exiger les résultats du test sanguin avant de publier son interview. Vanessa Lawrence, Julien Guerrado et la production de La Maison du Bluff ont abusé de notre confiance et de la vôtre. Nous vous présentons nos plus sincères excuses. Attendons les explications que la jeune femme donnera à ce sujet.